Bonjour, aujourd'hui je suis avec Nancy et il me fait plaisir de vous présenter un nouveau produit de la gamme Chicken Swell. Il s'agit du Chicken Protect. Protect, c'est vraiment un spray intéressant pour répulser les mites et les acariens qui affligent beaucoup nos poules toute l'année. Alors, on a conçu un produit qui était demandé depuis longtemps à base d'huiles essentielles. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On a mis, eh bien, des huiles de bois de cèdre, du géraniol, de l'huile de clou de girofle, de l'huile de citronnelle, de l'huile de menthe poivrée, de la citronellale, de l'huile de lavande, de l'huile de romarin, de l'huile de thym, etc. Et donc, c'est un produit dont toutes les huiles essentielles ont démontré une efficacité contre les insectes, contre les mites, pour aider nos petites poules à s'en débarrasser puis surtout éviter qu'elles apparaissent dans le poulailler. Alors, on est très contents. C'est une grosse bouteille de presque un litre et Nancy va vous faire une démonstration comment l'utiliser dans le poulailler. Alors, elle va en appliquer sur les surfaces. Pour commencer, on ouvre le poulailler et Nancy va donc en mettre sur le bois, le perchoir, les pondoirs. Et donc, ça sent bon. On peut donc vraiment vaporiser sans se gêner toutes les surfaces du poulailler. Là, on fait vite pour le petit vidéo, pour le bien du vidéo. Mais vraiment, ne pas se gêner d'en mettre partout, ça sent bon. Et en été, ça éloigne les mouches. Hein? Ça sent vraiment bon. Puis, on peut également, bien sûr, en pulvériser un tout petit peu sous les pleux, sous les ailes, dans son plumage. Puis, les poules qui sont aspergées d'un peu de ce produit, Nancy, vont avoir tendance à moins se picorer l'une et l'autre. Parce que ça sent une odeur qui va, disons, faire en sorte qu'elles vont moins se picorer. Et donc, ça aurait un petit effet répulsif. Et donc, ça éloigne aussi les mouches l'été hein, qui s'agglutinent autour du poulailler près des petits cacas. Donc, on vous recommande ce produit en tout temps dans votre pharmacie. Tu me disais qu'on pouvait en mettre aussi sur les pattes avant d'appliquer le baume? Oui, c'est vrai. C'est une bonne idée d'en appliquer sur les pattes, surtout si vous soupçonnez un début de problème, des écailles qui sont suspectes, ou si vous êtes en train de soigner justement votre poule qui aurait de la gale, bien vous pourriez, après le trempage du bain, assécher, puis en pulvériser un petit peu sur les pattes, ensuite utiliser le nouveau produit à base de soufre qu'on a sorti dans la gamme de Chicken Swell qui s'appelle le Chicken Balm, que vous allez mettre par-dessus, puis recouvrir d'un petit bandage. Et à ce moment-là, vous allez avoir un soin vraiment maximal là, pour vous débarrasser de ces petits problèmes-là. Alors vraiment, Chicken Protect, un bon produit à avoir dans votre pharmacie, disponible dans les magasins agricoles, bien sûr, qui sont dépositaires, ou vous pouvez toujours le trouver également sur Amazon.